Take me on a trip, I'd like to go some days. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Nico, c'est tous les matins comme ça, t'es au galop à tous les jours. Ouais, bah c'est ce matin, j'ai pas trop la main. C'était con, c'était hier, c'était le mieux. Kokiyama, Akayama, ceux-là, je les ai pas fait galoper. Mais là, c'est des jeunes chevaux qui ont besoin d'apprendre. On n'a pas été bons ce matin, mais bon, ils sont peut-être pas champions non plus. Hein. Donc, faut pas tout le temps repousser la faute sur moi. C'est peut-être les chevaux qui sont pas bons. Juste, c'était, bon, c'est que c'était les derniers jours là en France. Est-ce que tu prends du plaisir, justement, un plaisir particulier à trotter des chevaux là en ce moment? Bah oui, il faut que je savoure parce que c'est le dernier moment qu'on voit des copains, qu'on travaille en famille et tout ça, quoi. C'est... Ouais, hein. Ça fait un petit pincement hein, quand on va partir parce que 25 ans à Grosbois et puis 43 ans en France parce que on a toujours habité là. Hein. Donc, on a vu que ça, on est en vacances à l'étranger, tout ça, en Suède, en Amérique. Entre les vacances et aller travailler dans un pays, c'est pas pareil. Mais on peut s'adapter, hein, je pense. Quand on a travaillé avec les chevaux, on sait tout faire. Nico, c'est officiel, tu pars travailler aux États-Unis chez Trent Schmetzhammer, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du pays. Quelles sont les raisons de ce départ? Bah, disons que au niveau entraînement, l'effectif que j'ai des chevaux corrects, mais peut-être que c'était le moment de partir, parce qu'en France, je pense qu'en ce moment, il faut être dans le top 20 pour pouvoir travailler comme il faut, avoir des bons chevaux tous les ans. Moi, j'élève un petit peu, c'était peut-être pas suffisant ce que j'élevais. Et puis, c'est une décision que j'avais déjà réfléchi depuis un moment, parce que en 93, quand j'étais la première fois à Meadowlands, j'avais dit un jour, je partirai là-bas travailler. Et puis, 21, 22 ans, j'ai fondé une famille, on a fondé une famille, deux enfants. Donc après, il n'était plus question de partir. J'avais des super chevaux à la maison avec mon père, tout ça. Après, je me suis installé en 95. Donc j'ai réussi, j'ai tenu 20 ans. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, mes enfants sont élevés, ils ont une situation. 19 ans et 17 ans, ils sont tout contents de partir là-bas, me rejoindre, peut-être pour les vacances et puis faire Noël, tout ça. Donc non, je pense que c'est... C'est pas la suite logique, parce que j'aurais préféré rester en France, c'est quand même mon pays. Mais les États-Unis, pourquoi? Parce que bah, je pense que c'est le pays où il y a pas la France, c'est les États-Unis pour les courses. Parce que moi, j'adore les trotteurs. Malheureusement, je sais faire que ça. S'il fallait que je change de métier, me mettre à vendre des voitures ou quelque chose comme ça, c'est pas mon truc. Donc, partir aux États-Unis, travailler, c'est une étape. Hein. Peut-être que si j'adore, je resterai là-bas 5 ans, 10 ans, ou peut-être faire toute ma vie. Mais si jamais c'est un passage de... J'espère plus longtemps que 6 mois, mais si je reste 2, 3 ans, 4 ans, j'aurai toujours une place chez mon père en rentrant. Oui, donc tu confirmes que c'est pas du tout un coup de tête, c'est une expatriation qui a été préparée. Ah oui, il y a déjà 4-5 ans, je pensais déjà partir, mais mes enfants étaient plus petits, ils étaient encore... Arthur, il va avoir son diplôme d'opticien à la fin de l'année, Victoire passe son bac général, donc ils sont en situation, quoi. Ils ont 17 et 19, comme j'ai déjà dit, et... Je peux partir, bien sûr, c'est pas facile, hein, c'est un choix, hein, ça fait des émotions, on laisse sa famille, ses copains. Il faut se refaire pas une vie, parce qu'on ne refait pas le passé. Mais le futur, faut le se construire, quoi. Alors c'est toujours délicat de partir, comme ça. Nico, ça fait bizarre, une cour vide, c'est une page de ta vie qui se tourne, là. Et plus de matériel, plus de chevaux, plus de cours, c'est... Ah oui, hein, c'est sûr que ben on a fait pour avoir cette idée de partir aux États-Unis. On a tout fait pour. On a vendu les chevaux la semaine dernière. Là, tout le matériel est vendu aussi, sulky, harnais, tout ça. Les chevaux sont partis. Les employés arrêtent au 15 avril. Donc voilà, j'ai mon visa. On est prêt pour les États-Unis. Est-ce que psychologiquement, c'est pas dur justement de voir cette cour vide là quand tu travailles le matin, ça doit être bizarre quand même, non? Oui, bah disons que là, je donne un coup de main à mon père avec ses chevaux, donc on est occupé. Mais c'est sûr que quand vous avez passé, bah, ça fait 15 ans, ça faisait 1er avril 2000 que j'ai dans cette cour-là. Donc le temps a passé, 15 ans, 1er avril 2015, je ferme la cour de Grosbois. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, en route vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui t'attire finalement là-bas? Et on se pose la question, est-ce que tu vas courir également?
Ce qui m'attire, c'est le sport américain. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Quoique maintenant, on voit quand même des bons chevaux à 3 ans, à 4 ans. C'est vrai qu'en Amérique, c'est souvent 2 ans et 3 ans. En fin d'année, 3 ans, les bonnes juments sont à l'élevage, les bons chevaux sont étalons. Mais c'est sûr que j'ai envie de voir ce truc-là. J'ai envie de travailler avec ce système-là. Après, ça sera peut-être une bonne expérience pour le futur. Parce que si je reviens dans quelques années, fabriquer des 2 ans, quand on voit Philippe Allaire, Franck Anne, la réussite qu'ils ont, et puis M. Dubois aussi, c'est un peu... Peut-être lui qui a mis les pieds à l'étrier à tout le monde, hein, de partir aux États-Unis parce qu'il a fait des voyages plusieurs fois là-bas. Donc c'est une expérience, j'espère que je ne le regretterai pas. Il y a une date de départ ? Disons qu'on a reçu tous les papiers, on travaillait là-dessus avec Mme Vercruis et M. Lindquist depuis le 20 décembre. Là, on a une date de visa qui est arrivée le 1er avril, ce n'était pas un poisson, j'y croyais pas. Et puis maintenant, on n'a plus que l'ambassade à faire pour... pour le visa, faire les empreintes, les photos. Et puis je pense qu'entre le 20 et le 25 avril, je serai plus là. Ouais, tu pars pas seul? Non, je pars avec mon ami, Kersi, et puis le chien, Boss. Alors, d'extérieur, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on a l'impression que c'est pas le bon moment pour toi de partir parce que tu as une écurie qui tourne cette année, enfin, depuis un ou deux ans. Il y a Valse de rêve, il y a Batman que tu as remis en route, qui a gagné, tout ça. On a l'impression que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Disons qu'on ne s'est pas précipité, mais c'est vrai que le départ aux États-Unis avec le visa, on avait prévu de partir au 15 mars. Et la vente était le 31, donc je pense que c'était mieux de rester là un peu plus longtemps pour pouvoir superviser la vente, parce que je ne veux pas surcharger mon père avec mes chevaux. Donc le truc, c'était que... Il y a malheureusement des essais qui sont passés à la vente, qui n'étaient pas qualifiés, que j'étais en retard, qui ont eu des problèmes de santé, hein, qui étaient grands, qui a mis du temps à faire sa croissance. Après, d'aider, c'est une mauvaise saison. Les gens, ils me croyaient sur parole, j'ai des dés qui valent vraiment le coup, qui ont été vendus une bouchée de pain, mais bon, je suis éleveur, j'aurai toujours les premiers éleveurs qui vont tomber. Si ça marche bien, je serai dans mon canapé là-bas, je regarderai les résultats, parce qu'avec le décalage horaire, on aura les résultats après. Mais non, ça ne s'est pas fait à la hâte, hein, ça a été réfléchi, hein, je me suis renseigné sur plein de choses, la mutuelle, ouvrir un compte en banque, une voiture, tout ça. On ne part pas à l'aveugle, hein, quand on part comme ça, parce qu'on lâche tout derrière soi. Bien sûr, il y a du monde en France qui peut continuer à gérer un petit peu mes affaires, mais moi, les niveaux chevaux, des bons chevaux, oui, mais peut-être... pas le cheval de groupe, quoi. Valse de rêve, oui, c'est une bonne jument, mais c'est pas moi qui la monte. Donc c'est bien de l'entraîner, mais c'est pas les mêmes sensations. Je me rappelle quand je vous passais le poteau avec Hirosaka, Artiste du But ou Giant Cat. Ça fait des émotions. C'est très bien, hein, de gagner des courses, il faut, parce que sinon on n'arrive pas à faire tourner la boutique. Mais c'est sûr que j'ai regardé derrière moi, il y avait des chevaux de valeur que j'ai vendus. Ça me fait un petit peu de sous pour partir là-bas. Donc, Inch'Allah. Honnêtement, Nico, c'est un choix économique ou professionnel ? Non, c'est un petit peu des deux, parce que c'est vrai, hein, quand vous ne gagnez pas cette course, il ne faut pas se voler la face, hein, c'est difficile de faire les fins de mois. Donc là, j'ai vendu mes chevaux, j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté, et puis c'est surtout que j'avais vraiment envie de cette expérience-là. Je dis, en 93, la première fois que j'étais à Midland, je suis tombé sur Jerry Jordan, on est toujours resté en connexion. Quand il vient en France avec ses chevaux, parce que lui, depuis l'Italie, il a émigré en Suède maintenant. Donc, le pays pour les courses, après la France, c'est l'Amérique, parce que les autres pays, ils sont sur le déclin, ils vont essayer de se refaire, mais c'est pas facile. Quand on voit la Belgique, la Hollande, l'Italie, ça donne pas envie d'aller travailler dans ces pays-là. Tu vas également redevenir salarié. Est-ce que pour toi, c'est un retour en arrière? Ça va être compliqué, non, à gérer ça? Un retour en arrière, parce que là j'aurai des comptes à rendre, donc j'espère que M. Smedhammer, il va être content de mon travail, qu'au bout de 2 mois, il ne va pas me mettre un coup de pied dans les fesses en me disant « retourne en France, bon à rien ». Non, mais je pense que ça va bien se passer, mais il ne peut peut-être pas juger non plus au bout de 2 mois. Mais c'est sûr qu'au bout de 6 mois, je serai fixé, et puis si vraiment ça me plaît, pourquoi pas acheter un cheval aux ventes à l'automne, parce que il y a toujours une possibilité de faire quelque chose. Je ne suis pas que pour travailler pour quelqu'un, je peux peut-être monter mon écurie là-bas après, mais pour l'instant, j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience là-bas, parce que ce n'est pas facile. Nico, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de ta ligne actuelle. Est-ce que c'est lié justement à ton départ aux États-Unis ou pas du tout? C'était un challenge, ouais, parce que j'étais un peu trop gros.
Et puis, niveau santé, tout ça, c'est quand même mieux d'être un peu plus fit, quoi. Alors, on a perdu du poids. En plus, là-bas, c'est pas vraiment le pays où tu vas maigrir. Donc, c'est mieux d'arriver là-bas en bonne condition physique, je pense. Est-ce que c'est aussi en vue de river là-bas, d'avoir perdu un petit peu de poids? Est-ce que pour toi... Parce qu'ils font très attention à ça, le poids des drivers aux US. Bah oui, mais j'en ai encore un petit peu, de trop. Mais c'est sûr que Cédric Herceran, il m'a dit qu'il avait travaillé chez Trons, qu'il avait drivé, il avait qualifié des chevaux, et après il en avait drivé en course. Donc bah, si il me fait driver quelques chevaux sur des petits hippodromes, j'arrive pas là-bas pour prendre la place à Campbell ou à Pierce, hein, faut pas rêver. Mais s'il peut me faire driver sur des petits hippodromes, ça sera super sympa, ça sera toujours une bonne expérience aussi. C'est une page de ta vie qui se tourne, Nico, et c'est même un virage à 180 degrés. Est-ce que t'as peur de partir? Ouais, ça fait... Non, c'est vraiment une envie que j'ai depuis longtemps de partir, mais c'est sûr que ça fait peur un petit peu quand on réfléchit à tous les acquis que j'avais en France, les avantages ou les inconvénients de partir là-bas, on est exilé. Donc, bien sûr, on prend un billet d'avion, 8 heures après, on est retour en France, c'est pas loin, hein. C'est pas comme si je partais en bivouac à l'autre bout du monde. Mais bon, faut y réfléchir, on fait pas ça sur un coup de tête. Est-ce que t'as des regrets ici en France? No regrets. American boy, oh, oh, wow, oh, wow, oh, could you be my love, could you be my, could you be my love, could you be my, could you be my love, could you be my American boy, could you be my American boy, could you be my love, my love, could you be my, could you be my love, could you be my, could you be my love, my love, could you be my American boy, American boy. Par contre, ça, tu vas pas mettre, hein. Tu vas voir. Tu vas voir. Allez, Paris, Zlatan Ibrahimovic. Allez. Elle est super gentille, cette cheval-là. Ah bah, elle est gentille, comme tout. Tu mets en haut, milieu? Au milieu. Il faudrait qu'elle nous fasse voir autre chose sur les pistes. Mais... Paris, Paris, est top. Le verdict du chronomètre, je sens le chronomètre et je regarde si j'entends un tonnerre dans le ciel, c'est que j'ai passé le mur du son. Il n'y a que le chrono qui lui a vérifié. Il y a encore du boulot. Hein. Quand tu vas avec un autre cheval, te l'accompagner, ça va super bien. Mais quand il est tout seul, bah, comme tous les poulains, ils font des conneries, ils n'ont pas le droit. Oh là là. Le top 10, j'y suis plus, des entraîneurs et des drivers. Top 50, encore moins. Non, on coupe.